Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4. Souvenez-vous, on était devant un vendeur qui nous proposait tout simplement de faire d'autres épreuves, donc mission acceptée de mon côté. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit de revendre le lance-mine, je pense que je vais faire ça. Je pense pas trop l'utiliser et il prend pas mal de place, donc ça me permettra d'avoir beaucoup plus d'herbe, etc., etc. Donc c'est parti. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées. On va commencer par le tir rapide. Donc tir rapide, c'était fusil à pompe et TMP ainsi qu'une grenade. Est-ce que on a vraiment besoin des munitions? Je ne sais pas. Et on est parti. Donc nouveau jeu. Hein, choisir un type de partie. On n'avait pas ça avant. Ok. Ah, je suppose que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on avait fait. On va commencer par B. On verra. Hein, de toute façon, au pire, pas de panique les gars. Ok, faut que je me remette en bain, les gars, là, parce que c'est terrible. Ok. Pourquoi il y a Ashley, là? D'accord. Ah ouais, mais là, non. J'ai pas eu. J'ai pas eu, bah c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit si j'ai pas eu le bonus, les mecs. Là, c'est mort, c'est mort. C'est mort, j'aurai jamais les 5000 points. J'aurai jamais le trophée. Je ne soulèverai pas la coupe. Ok. Allez, ma petite gueule. Voilà. Ok, ça c'est chiant ça par contre, parce que maintenant il y a des Ashley amovibles, très relou. Ah ouais, mais là il force à faire des diagonales avec des coups de stick, impressionnant. Ok, hop. Ah c'est dégueu, c'est dégueu. Ah ouais, c'est l'humiliation, rigolez, vous avez le droit, je vous autorise. Attends, j'ai bien l'impression qu'il faut limite être encore un petit peu plus ici, tu vois. Voilà, hop, salut frérot. Oui, toi t'es carrément à bout portant. Voilà. D'accord, c'est toujours les mêmes. Ah, t'étais caché ici, salopard. T'étais caché ici. En gros, si tu ne te mettais pas sur le côté comme j'ai fait, impossible de l'avoir en fait. Ok. Ok, pas mal ça. Pas mal. Un petit bonus s'il vous plaît. Oh putain, non. Ok. Oh, c'est beau ça. C'est très beau ça. C'est très beau ça. Oh ça c'est très beau ça. Ça c'est très beau. Ça on a un prix là. Et ouais ma petite gueule. Ah ouais, prix rare obtenu. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai tout donné là. Ok c'est bon, on a un prix. On est reparti. On va reload. Au moins on est tranquille. C'est parti. Choisir un type de partie B toujours. Je crois qu'il y en a deux ou trois à chaque fois. Ok. Donc il me semble que ça va changer. Hein. J'ai pas envie de passer à se reconnaître. Jusqu'ici, ça n'a pas trop l'air de changer. Je me suis peut-être fait. Ah, je me suis peut-être fait arnaquer. Ouais, ça c'est beau ça. Ok. Ok. J'en ai pas loupé. Il me semble que j'en ai pas loupé jusqu'ici. Faudra que je fasse gaffe à H si elle apparaît sur la gauche. Hop. Yes, encore. Yes. Putain, là, je suis quand même relativement en stress. Il y a eu deux bonus hein, quand même. Hein. Là, ça me fait peur. Ok. Ok. Faut quand même que je pense à viser les têtes. Deuxième prix. Yes. Deux prix. Ok, il me semble qu'il y en a trois à chaque fois par type de partie, malgré que ça soit exactement les mêmes. En gros, faut continuer. Ça nous force à persévérer un petit peu. On est reparti. Après, on va passer au pistolet. Donc, au tir de précision. Le problème du pistolet, c'est qu'il faut le recharger à chaque fois. C'est assez relou. C'est exactement les mêmes emplacements, en fait. D'accord, très bien. J'ai réussi à foirer ça. Ok. On reload. Allez, là, ça va partir en couille, les gars. 50 balles, vas-y, go. Sors tout ma gueule. Ils auraient pu au moins changer le décor de fond. Hein. Voilà. Et lui, là-haut. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Lui, je lui ai mis un petit coup de stick vers le haut, mec. Personne n'était clairement prêt. Ok, c'est pas mal ça. C'est bon ça. Trois prix. Ok, je crois que c'est terminé. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je vais pas en réessayer un par précaution. Bougez pas, attendez, bougez pas. Est-ce que je peux déjà voir les prix que j'ai obtenus?
Examiner? Je les ai déjà? Non, je les ai pas encore. Il faut que je quitte l'entraînement. C'est bon! Ok, on a réussi 3 prix. Bah, quasi du premier coup, me semble-t-il. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes. Ok. Si je passe sur une précision, on est bon. Ok, on y retourne. On va voir si c'est exactement les mêmes emplacements. Attendez, bougez pas. Je vais mettre d'office un petit peu à gauche. C'est parti. Bah, c'est exactement les mêmes. D'accord. Oui, c'est exactement le même, ok. Ok, c'est exactement le même. Par contre, je dois pas me foirer dans les balles, donc je crois que tout... Oh putain, voilà, là je suis cuit les gars, hein. Là je vous le dis. Oh putain. Ok. C'est bon. On peut prendre un peu plus notre temps. Oh là là. Ok. Oh sa mère. Putain, pas assez stable le pistolet. C'est pas grave, j'ai loupé un bonus. Non. Ok, donc c'est le bonus que j'ai loupé qui a tout fait foirer. Ça c'est relou, donc je crois qu'il y en a que 5 hein, au final. Hein. Mais je crois que je suis pas obligé de le faire au pistolet, je sais pas pourquoi je me mets un challenge comme ça les mecs. Voilà, ferme là. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Ashley là-haut là? Ouais. Ok, il me restait 4 balles. On n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Hein. Okay. Hop, pas mal ça. Pas mal ça, hop, j'en profite pour recharger ici à chaque fois. Yes. Ok. Ok. Je sais pas combien de balles il me reste, mais très peu. C'est bon. Allez, un prix. Ok, 4e prix. Je pense que je vais rester à la TMP. On va réessayer. C'est par combien les prix là? J'aimerais savoir parce que là je suis carrément dans le... Je suis dans le déni le plus total les mecs, c'est horrible. Donc 4 prix. Ah putain, il y en a 6, ouais. Il y en a 6 et il y a 4 rangées, d'accord. On va arrêter. Vous avez gagné 4 bouchons. On continue. Ok. Et on va rester sur tir rapide. Il me semble, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, que de toute façon je n'ai pas le choix. Je suis obligé quand même de le faire. Yo! Je suis quand même obligé de le faire au pistolet. Les 3 autres. Allez, c'est pas grave. Hop, mais vas-y, ma petite. Quoi? Pourquoi ça s'est ouvert derrière? Ah, mais ça a encore changé! C'est quoi ces conneries? Oh la vache! C'est quoi ces conneries? Ça a encore changé! Mais c'est terrible! Ah la vache! Ok. Oh putain, 5e prix là, non? Un prix, ok, donc c'est normalement le 5e. Mais ça a encore changé. Mais c'est terrible! Ça change tout le temps. Un prix obtenu. Ok, type B. D'accord. Alors, est-ce que c'est le hasard? J'ai rien compris comment c'était foutu leur bordel là. Parce que là, c'est encore le même. Ça fait que si je quitte, gros. Hey. Oh, oh! Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Vas-y, nique ça. Oh, ça m'a saoulé. Allez hop, hey. Je me casse. Là, c'est bon. Là, quand j'ai vu ce que j'ai fait, les mecs, vaut mieux s'arrêter là. On va arrêter vite fait pour voir. Et on va exactement. Enfin, on va le refaire. Donc, tir rapide, hein, toujours. Et on va voir un petit peu si ça change encore de. Comment on peut appeler ça? De formation. Parce que là, clairement, c'est beaucoup plus hard de travers. Ok. Jusqu'ici, d'accord, c'est la même. En fait, c'était vraiment le pur hasard au moment où j'ai décidé de quitter, de changer... Ok, j'ai eu très peur, je vous avoue. Oh putain, sérieux, là, c'est chaud!
J'avais super bien réussi tout à l'heure, je me rends compte qu'il y avait une petite part de chance, attention quand même. Allez, c'est bon ça. Ça c'est pour Bibi ça. Ok, j'ai obtenu un nouveau prix. Je crois que c'est terminé. On a terminé les amis. Je vais essayer de le refaire mais je crois que c'est fini. On a réussi à débloquer tous les titres et tant mieux, on va pouvoir continuer. Oh, 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 oh. Voilà, j'ai réussi, en plus dans la tête, ça c'est beau ça. Ok. Ok, dommage que j'ai pas mis un petit headshot à la demoiselle. Ok, pas mal, on s'en sort pas mal. Heureusement que les trucs à la dynamite sont pas très difficiles à avoir. Ok. Là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est terminé. C'est terminé, les amis. On a rempli la deuxième ligne. On va pouvoir passer à la suite. Ça nous a demandé quand même un petit peu de temps. On va pouvoir arrêter. J'ai gagné. La deuxième rangée est terminée. 25 000. Pas mal, bébé. Pas mal, ça, bébé. Ok. Deuxième rangée. Mission complete. On retrouve le vendeur dans... Bah, tout simplement dans la salle suivante. Il est partout, le mec. Je crois que c'est ses frères. C'est pas possible. Vas-y, frérot. Donc... J'ai des objets rares, c'est plutôt cool, c'est ce que je recherche, ça tombe bien. Je vais te vendre mon lance. Non, ça c'est des fléchettes mines. Je vais les garder ça au cas où, hein, ça prend pas beaucoup de place. Je vais te vendre mon lance mine 4900, je t'avoue que c'est pas ouf. Et il est neuf, hein, jamais utilisé, attention quand même. Hein. Et Broken Butterfly, on aura me semble-t-il un magnum beaucoup plus intéressant après. Riot Gun, on aura aussi plus intéressant, donc je pense qu'on va passer sur un petit... Une petite puissance de feu optimisée sur le sniper, ça me paraît pas mal. Une petite contenance aussi. 17 au lieu de 14, c'est plutôt cool. Histoire d'éviter de recharger à chaque fois. Ok, on est pas mal. On est pas mal les amis, on va sauvegarder. Et on est parti pour la suite, me semble que c'est un boss, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Allez go. Ok, attends. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool. On va faire un petit tour peut-être. Ah, regardez là. Non, pas du tout. On va faire un petit tour peut-être dans l'inventaire. J'avais les... Ah oui, ça libère un peu de place. Ok. On va foutre ça où? Vous savez quoi? Tout ce qui est chelou un petit peu là, on va le mettre là-bas. Et puis, voilà. À droite, ça sera sniper, magnum et lance-mine. Et ici, ça sera les munitions de type classico. On est plutôt très bien niveau soins, niveau tout. On est super bien les mecs. J'avais deux couronnes à placer, n'est-ce pas? Et il me semble qu'il faut les placer derrière dans ce long couloir. Non? Attendez, c'est pas plutôt là-haut? J'essaye de faire de souvenirs. Si, c'est bon. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. C'est vrai. C'est vrai que vous, les gars... Deux mecs au masque de fer. Ok. Ah oui. Oh putain, ça va m'arracher la gueule. Voilà, y'a plus personne. Ok, on va passer au pistolet. Bon, ça vous avez compris que c'est les petits mecs avant le boss, je suppose. Histoire de te mettre un petit peu en jambe. C'est bon, tu peux venir, ma soeur. On est bien, là. Ramener des Pezeta, c'est ce qui m'intéresse. Au final, certains ont fait la conversion Pezeta-Soro. C'est vrai que tu peux pas faire grand-chose. Hein. Quand tu crois être riche, en Espagne, t'es pas bien. Hein. À part sucer 3 chorizo, t'es pas super frais. Un toast à la santé de sa majesté. J'ai bien envie de mettre le mauvais dessus, mais bon, on sait jamais. Vous avez placé le Graal de la Reine. C'est très intéressant. Un toast à sa majesté, encore une fois. Ok, vous avez placé le Graal du Roi. C'est plutôt cool. On est donc... Y a rien là-haut? On sait jamais, hein, je suis très observateur. Je sais pas si j'avais vendu mes trésors encore, bougez pas. Je vais voir, je vais faire un petit tour. Le masque complet, donc c'est plutôt cool. Ah ouais, mais j'avais trop de trucs. Oh là là, oh là là. Tu sens le pognon là? Tu sens tout ce pognon? Ce pognon, ça déborde. Ça déborde de pognon. Bah c'est parti. Ouais, 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 ouais. J'ai dit oui, c'est parti.
Et c'est parti les amis, direction un boss. Oh là là. Oh là là, oh là là. Je sais plus c'est lequel exactement. J'hésite entre Salazar. Je mettrais quand même je mettrais un dollar sur Salazar, mais il y a aussi un boss. Oh putain, je suis une machine. Je ne sais comment j'ai fait. Oui, prendre l'œuf, bien évidemment. Attends, est-ce que par hasard je vais pas le bouffer moi l'œuf? Est-ce que par hasard je vais pas augmenter ma vie pour commencer et bouffer l'œuf histoire de me mettre full? Hein? Bonne idée ça les gars. Ok. Et en plus j'ai une petite herbe. En plus c'est plutôt cool. On est parti messieurs. C'est terrible. Le dernier couloir avant une potentielle mort de moi-même. Et l'autre boss auquel je pensais, c'est tout simplement de El Gigante. Et là, je sais plus du tout. Je mets... Quoi? Oh, je mettrais Salazar. Hein. Oh oui. Tu m'attends là, bébé? C'est pas ouf. C'est pas ouf comme environnement. Ouais. Ouais. Il y a une fenêtre là-haut. Je crois qu'on peut y accéder. Attendez. Hop, je crois qu'on peut y accéder par là. Yes. Hop, nickel. Une herbe verte. Attends-moi là. On va déjà combiner ceci avec l'herbe verte. Là, c'est pas super ouf, là. Hein. C'est pas super ouf ce qui va se passer. Mais c'est qui comme boss, putain? C'est pas Salazar, il est pas dans une sorte de larve dégueulasse. J'hésite à laisser Ashley derrière la... Oh, putain. Une lampe papillon. Oh, putain, et j'ai vendu. Oh, merde. Est-ce que ça touche, au moins? Follow me. Et vous savez quoi? Je vais la laisser ici, elle va m'admirer, elle va admirer ma puissance d'en haut. Ça me paraît pas mal ça comme plan. Un petit plan stratégique sympatoche. Tu m'attends là bébé? Wait. Ok, allez go. Ok, on peut pas faire le tour. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Derrière il y a un mécanisme. Attends-moi là Ashley. Oh là là. Quoi? C'est terrible. Oh, c'est un... Oh non. Mais non, Ashley, je t'ai laissé en haut. On s'est foutu de ma gueule. Ashley. Great. More of them. Non. Mais gros. Ils m'enculent déjà, les mecs. Oh, gros, il y en a trop. Alors, attendez. Quoi? Ça les a pas touchés? Attends. Je comprends pas, moi, les gars. Je suppose qu'il faut... D'accord. Fallait tirer là-dedans. Ok. Ce qui va tout faire tomber, dont moi, juste en dessous. Mais quoi? Vous vous êtes tous foutus de ma gueule? Réellement? Oh bah, vous savez quoi? Je préfère clairement la recommencer. On va la refaire. Bon, je suis mort dans un état pitoyable. On va la refaire, les mecs, parce que là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Les grenades flash ne font rien. Donc, je préfère partir sur de bonnes stats. Oh putain, faut tout reprendre. Ça, c'est relou, par contre. Ça, c'est relou. On va pas le couper au montage. On s'en fout. Voilà. Allez, ma petite gueule. Ok, on va prendre l'œuf. Ça, c'est chiant quand même. Hein. C'est pas super optimisé. Je sais pas si je dois jouer avec le snipe, à vrai dire, ou le fusil à pompe. Wait. Tiens, bah attends-moi là, tu m'as saoulé. De toute façon, la cinématique, elle va s'enclencher avec ou sans toi. Vas-y, viens, ma soeur. On est parti. Donc, au final, c'est pas un boss. Comme quoi, j'aurais perdu de l'argent. Hop. Bien sûr. Allez, viens, ma petite gueule.
Ok, Ashley, on est reparti. Je vais utiliser le fusil à pompe. Ça va pomper, c'est moi qui vous le dis, les mecs. Parce que là, ça va, ils m'ont cassé les couilles. Allez, ma petite gueule. Vas-y, viens, Ashley. Je vais re-ramasser le trésor. D'accord, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Pourquoi ils ont redonné le lampe papillon. Ceci expliquait cela. J'aurais préféré le comprendre un petit peu plus tard. Allez, vas-y, on fait demi-tour, les mecs. Bon, on va laisser Ashley là-haut, on en a rien à foutre, c'est parti. On l'a déjà vu. Ok. Non! Mais non! Ah non, 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 ça c'est dégueulasse! Ça, ça fait perdre ma vie. Je sais pas si c'était ouf en fait, ce que j'ai fait. C'est bon? Déjà? Bon, ça va alors. Ça va. Je me suis bien sorti. Ok. Ok. Oui, je m'en suis bien sorti. Je suis assez satisfait. Ok. C'est plutôt cool. Bon, on va reload. On va prendre le sniper. Il me semble que 2 balles de snipe suffisaient. J'ai pas beaucoup de balles de snipe. On va peut-être... On va essayer d'en mettre 2 pour voir. 3. Peut-être 4. Non, 3 suffisaient. Très bien. On va ramasser tout ce que ça laisse. Ah, c'est bon, on l'a déjà vu. On va pas non plus... Ah, d'accord. D'accord, il y a un mec qui est tombé de je ne sais où. Vache! Mais régalez-moi, messieurs! Mais sucez-moi, putain! Envoyez-moi toute votre fortune! Très bien, c'est parti! Attends, encore. Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Ok, clé trésor. Bon, forcément, vous avez compris. On va le combiner avec ça. Voilà. Nickel. J'ai 2 lampes totalement pleines. On va garder celle-ci au cas où. La vache, je suis tellement bon. Je me kifferais presque. Bon, on va récupérer le pistolet. Dommage, une mort de plus, les amis. RT6, c'est triste. Tiens donc, un pont-levis. Attends, attends, attends. Ça me semble limite un peu trop simplet, ça, non, quand même. Au final, toutes ces conneries. Genre une si grande pièce pour ça. Ok. Évidemment. Évidemment, les gars. Allez, c'est parti. Y a un boss, c'est pas possible. Ils ont pas fait un truc aussi grand pour ça. Attendez, je regarde s'il y a pas de truc qui brille là-haut. C'est pas possible, les amis. Y a forcément un boss, un mec qui va arriver. Eh, hey, salut frérot. Non? Vous en pensez quoi? Attendez, bougez pas, on va regarder la carte, voir si on a bien pris tous les trésors, sait-on jamais. Oui, ok, bon, on y va. J'y crois pas, hein. J'y crois moyen quand même. Hein. Si? Non? Oui? Peut-être? Ça a l'air bon, jusqu'ici tout va bien. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, je pensais la phase beaucoup plus dure qui arrivait. Salut frérot, est-ce que t'as quelque chose d'intéressant à me vendre? Ou à me proposer? J'ai des objets, ça c'est plutôt cool alors. Ah bah voilà, Reine 9, putain. Et ça s'arrête pas, ça s'arrête plus ma petite gueule. Boum, 3 de puissance de feu. Alors là les gars, attendez, bougez pas. Bougez pas parce que là on va se régaler. On va se régaler, il est temps de vendre beaucoup de choses. Donc Spinel pour commencer. Voilà, ce qui va me faire une petite amélioration. Le bleu velours, ce qui va me faire une autre amélioration. On va garder. Voilà, je vais en vendre 8, on sait jamais. Je vais en vendre 2, on sait jamais. J'en ai 2, putain. J'en ai 2 et je sais que ça vous fait chier que je les garde dans l'inventaire, donc on m'en vendra un. Et j'en garde un, j'en ai rien à foutre, c'est moi qui décide. C'est mon aventure. J'aime bien me la péter à me dire que j'ai beaucoup de bijoux. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Bon, Reine 9. Bien sûr. Quoi d'autre? Fusil. Bien sûr. Vitesse de rechargement, ok, on est au max, on est au max, on est au top, on sauvegarde, et c'est parti, c'est pas, moi, pour moi, il y a un boss, pour moi, il y a un boss, c'était pas possible que ça se termine comme ça, hop, pour moi, c'est bientôt, c'est juste après, je dirais même juste après cette porte, attendez, bougez pas, oh oui, 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 il y a un petit boss de type sympathique, ok, on est reparti,
On est reparti, on s'arrête pas en si bon chemin, les amis. Autant aller jusqu'au bout des choses. Hop, encore un bleu velours, c'est cool. Ah! Salut frérot! Ok, sniper, n'est-ce pas? Hop, salut frérot. On dirait presque Lord Saddler. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. J'avais vu un petit truc qui bougeait, mais j'étais pas sûr. Personne d'autre? Personne d'autre. Bon, on est parti. Pistolet. Il est quelle heure? Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ok. Je dirais qu'il est 7h45 précisément. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Bon bah vous l'aurez compris, il y a le boss juste à droite. On va passer par là. Quelque chose à faire là-dedans. Ok, il faut trouver un autre passage. Ok, calme-toi, frérot. Prêt, suplex ! Boum ! Allez, ça dégage. Ça dégage, ça rentre à la maison. Qui d'autre ? Attention à vous quand même, messieurs. Yes. Un petit critique s'est passé, ça a glissé. Ok, qui d'autre? Je sais pas si on va faire le boss dans cette vidéo. J'ai bien envie. Oh. Mais attends, c'est pas des catapultes là-haut là? Vous foutez pas un peu de ma gueule, les gars? Ok. Ok. On va faire un petit tour. Yes. Bon. On va regarder la carte, voir s'il n'y a pas un trésor quand même, au cas où. Non, je dois passer par la tour. Donc c'est parti. J'ai bien l'impression que les catapultes, les gars, on va devoir les arracher dans pas longtemps. Allez, c'est parti. On va faire cette tour. Ok. Ça, c'est... Ça sent... Oh là, ça sent tellement le truc relou. Ok, je peux descendre, ouais. Je peux sauter. Très bien, sympa. Je peux sauter et prendre l'échelle. Je fais le tour au cas où, les gars, s'il y a quelque chose, ça serait dommage de passer à côté, vous me connaissez. Allez, on grimpe. Vas-y, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Régale-moi. On va passer par là, je préfère... Voilà, tu vois. Toujours important, toujours intéressant. Ok. Encore une échelle, tiens donc. Ah, balle de pistolet. On y va. Ah, ouais. J'ai vu tous ces trucs en bois, là. Putain, j'avais tellement oublié ça. C'est des petites phases du jeu, vous voyez, du quotidien, comme ça, que t'as tendance à oublier, n'est-ce pas? Une herbe verte encore. Oh là, mais les gars, vous me régalez, là, j'en peux plus. Préparation du rituel. Ah oui, d'accord. Grâce au Novice Tador... Nous avons capturé Ashley. Nous allons préparer le rituel sacré aussi vite que possible afin qu'Ashley devienne officiellement une Illuminados. Alors, faut savoir que, vous l'avez vu, le mec a écrit ça en 10 minutes. Hein. Il a écrit ça, il a mis des photos, frère. Pendant que nous préparons le rituel sacré, vous pouvez vous occuper de notre ami américain si le cœur vous en dit. Nous devrions pouvoir retarder un peu notre ami en bloquant les engrenages du clocher à l'aide d'un objet. Je pense qu'en bloquant le mécanisme en 3 endroits, on devrait avoir le temps de préparer le rituel. Allez vous occuper du touriste américain. Très bien. Le touriste américain, c'est moi. Ils aiment pas les touristes, de toute façon, en Espagne. Ah ouais, bah ouais. Eh ben ouais, mais j'aurais peut-être dû commencer par en bas. Nom de Dieu, l'engrenage est bloqué, c'est terrible. Ouais, c'est chiant. Attends, hop, on va essayer de cruger un petit peu comme ça. Ouais, tiens, déjà là. Voilà, et là. Ok, bon, sniper peut-être, ça me fait chier d'utiliser une balle pour ça, mais pas envie de descendre, ouais. Voilà, de toute façon, on va descendre quoi qu'il arrive. Bon,
Bah c'est parti, ça nous a évité un aller-retour relou. C'est quoi cette qualité dégueulasse, les mecs? Vous êtes sérieux? Vous avez eu la flemme de refaire cette cinématique, les gars? Vous nous avez foutu du putain de 3GP, là, pour ça? Hop, en plus, la baisse de FPS quand tu reloads, c'est toujours un petit plaisir. Ok, on peut descendre. Ah, ils sont un peu foutus de notre gueule, les gars, on va pas se mytho. Quoi? Quoi? Salopard! Salopard que tu es, toi! Petit cochon! Ok, il y a un mec ici, je le vois. Oh là 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 là! Oh, vous êtes des salopards, vous! Oh putain, salope! Ah oui, ça c'est chiant. Pas m'avoir, mais moi je peux parce que moi j'ai une visée incroyable, je suis au sniper, je suis un sniper d'ailleurs. Ok, bonne chose de faite, j'ai tué les deux mecs d'en bas, on peut continuer. Par contre là en vrai, au fait que je me prends une Michelle, je suis pas frais, hein. Ça résonne dans ma bouche. Hop, on améliore sa vie par la même occasion. Allez, on continue. C'est par ici. Yo les gars, je crois qu'on pouvait encore descendre, hein. On va encore descendre d'ailleurs. Il y avait tout en bas. C'est un mystère incroyable. Ah non! Ah non, j'aurais pas dû! Quoi? Aïe! Les mecs, faites pas les cons! Non! Oh bah ouais, mais! Oh, c'est relou! Ça, c'est très chiant. Oh non! Fallait que je reload! Putain! Ça, c'est encore plus chiant. Spider-Man, là. Bon. Ça m'énerve de tirer dans le vent. Ah oui, j'ai plus de balles de rien. Ça, c'est cool. C'est sympa. Allez, dégage. Dégage, on t'a dit. Ah, ça, c'est chiant. Ouais. Non. Non. Oh putain. Oh là là. J'en ai marre, hein. J'en ai marre, les mecs, hein. Ok. J'ai failli prendre ma vie, là. J'étais pas bien. Une petite grenade, je prends. C'est avec plaisir. Waouh. J'ai clairement failli prendre ma vie. Bon, faisons un petit peu le tour de notre inventaire. Je faisais le show il y a pas longtemps avec des soins. Bon, j'en ai encore pas mal. J'ai toujours pas utilisé de spray, d'ailleurs. Et il me reste... Ouais, non, finalement, il me reste encore pas mal de soins, c'est plutôt cool. Par contre, niveau balle de pompe... Ouh là là. Ouh là là. Ok. Vu que j'ai pas amélioré certaines armes, puisque j'attends toujours les nouvelles. Qu'est-ce que c'est? C'est qui me jette de la dynamite? C'est pas gentil, ça. Ouais, j'ai deux sorties. Voilà. Donc, laquelle prendre? Je n'en sais strictement rien. Peut-être celle-ci. Ça va, calme-toi aussi. Non, et celle-ci? Ah, celle-ci, c'est celle qui est fermée, là. Ok. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Allez! On est parti! Oh, j'aurais dû prendre le sniper. Aïe, je le sens arriver gros comme une maison. Ça va. Alors, sa tête est normalement ici. Voilà. Voilà. Et voilà. S'il y a d'autres candidats, les potes. On est parti pour un boss. Bon, bah, la vidéo fut longue. Oh non, c'est chiant. Oh non, c'est chiant. C'est très chiant, ça. Ils veulent me ruiner. Non! Aïe 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 aïe! Oh là, ça c'est très très chiant, ça.
Je peux tracer? Oh bah je peux y aller. Lol. C'était peut-être pas ouf. Oh non, mais sérieux les mecs! C'est quoi ces épreuves? Quoi? Non, c'est une blague. Mais vous êtes fous. Je veux ressortir. Il y a encore du monde. Ah! Je veux re-rentrer! Ils sont fous! Non mais les mecs! C'est plutôt complexe. Je pense qu'on va s'arrêter là. Les mecs, je pense très clairement qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à tout de suite pour l'épisode. À très bientôt pour l'épisode prochain. Je vous fais des bisous. À tout de suite. À bientôt tout le monde.